de signature, non? Ouais. La signature de Ciccone. Qui Ciccone. Tu sais qui l'Argentin? Non, je ne savais pas. Ah bon. Mais heureusement, tu me l'as dit. Maintenant, il travaille comme architecte à Londres. Bon, le plus beau dessin pour moi, c'est les fils, là. N'est-ce pas, c'est ça? C'est celui-là, c'était la couverture de l'Alimentum. Non, je ne me plais pas du tout, par contre. Moi, j'ai vu d'autres choses de lui que j'aimais bien. Ça, mais ça comment tu vois qu'il travaille? Et je t'ai dit, c'est ça, hein, c'est sûrement, il y a beaucoup de papier, il y a, comment il s'appelle, mais je ne sais pas, parce que sincèrement, des fois, ça peut sembler, comment il s'appelle, la gomme, non? Non, la gomme, le pastel, des autres fois, ça sont vraiment de, ça peut être vraiment de l'huile, je ne sais pas. Mais tu crois qu'il met du sable, il met du sable ou quelque chose pour faire du grain plus fort? Non, je ne sais pas, sincèrement, ça peut être ça aussi, mais pas le sable, pas le sable. Ouais, quelque chose, parce que le grain est trop gros, tu vois. Mais non, mais je le fais avec ce papier, mais peut-être que c'est grand, que c'est petit le dessin. Non, d'après moi, le dessin doit faire le double de ça. Qu'est-ce que tu en sais? Je pense d'après la taille du grain. Ouais, sérieusement. Ici, il n'y a pas de grain. Ouais, ben, y a pas ça, de... c'est du papier. Ça, c'est du papier avec de la gouache. Ouais. Pas de la gouache. C'est pas l'aquarelle, de la gouache. L'aquarelle, ouais. C'est de la gouache, l'aquarelle. Mais ça... L'aquarelle, c'est la gouache. Ah, c'est pas la même chose. Mais pas du tout, mais vraiment pas du tout, du tout. Ouais. La gouache, c'est couvrant. Non, la gouache est couvrant, un peu comme l'acrylique, et seulement que c'est naturel. Et l'aquarelle, il n'est pas couvrant. Ah, la gouache, c'est du pigment en crayon que tu peux mettre de l'eau. La gouache, tu sais, c'est les fresques qu'on faisait à Giotto, ces choses-là, c'est à la gouache, ça. Ah, mais c'est mélangé avec l'œuf, par contre. Donc, alors, ils mettaient du temps pour le sécher. Ouais, du pigment qui est pressé, quoi. Ah, et puis l'aquarelle, c'est juste de la couleur qui s'y soit. Moi, le pigment, je ne l'ai jamais utilisé, alors je ne sais pas quoi te dire. Le pigment, l'aquarelle, c'est la chose, si tu veux le faire bien d'une certaine façon, c'est la chose la plus difficile à faire. L'aquarelle? Ouais, ben, comment ça s'appelle? Maria, elle travaille bien. Maria et Cartus, elle travaille bien à l'aquarelle. Oh, oui, mais non, elle travaille bien à l'huile aussi. Elle est techniquement... Non, surtout au spray, elle est incroyable, quoi. Ça, tu m'avais déjà montré, ça. C'était quoi? Hein? Quoi? Ça, je vais le vendre, c'est un truc de Giger, ça vaut 4 000 $, c'est des sérigraphies. J'en ai 10 000, tout le monde me donne des centaines de machins comme ça, et ça vaut une fortune maintenant. Ah bon? Tu sais que j'essaie de vendre de mes peintures, personne ne veut les acheter. J'ai mis le premier autographe de Steven Spielberg à Jaws au Festival d'Avoria, ouais, avec sa femme, le premier qu'il a jamais signé, oui, mais Steven Spielberg, Jaws. On m'a offert 20 000 $ pour ça aux États-Unis. J'ai vendu en une journée 100 000 $ d'autographes. Et je n'ai 2 000 ou 3 000 d'autographes. Tu as vendu 100 000 en une journée. Quand ça? J'ai des posters de... Mais quand en un jour sur Facebook. Alors, tu as 100 000 $ maintenant. Tu es riche. Non, il faut que je les envoie. J'ai amené les bouquins. Mais j'ai des trucs qui valent des fortunes. Les bouquins de quoi? J'ai Apocalypse Noir. Les bouquins de quoi? Avec les autographes. Mais de qui? Les bouquins de qui? Les miens. Quand j'étais photographe, moi je prenais des autographes en même temps. Tu comprends? Ah. Alors j'ai Coppola qu'on a gagné à Pop Smart. Ah, tu parles des autographes, tu l'as vendu à... J'ai le poster de... Putain, tu l'as vendu à 100 000? Black Sabbath avec Rick Wakeman, 20 000 $, en 1977. Okay, c'est bien, mais vas-y, bon, je suis content pour toi, au moins tu vas plus pleurer comme tu pleures maintenant, mais tu vas le garer dans l'espace d'une semaine, même pas. T'en fais pas... Et toi, tu n'as rien ramené, j'ai pas compris. Non, il avait trop peur de te voir. Mais il dit ça, pourquoi il... Mais je sais pas, tu demandes, mais il dit, mais maintenant, si je t'ai dit, c'est lui, il faut retenir le 10% de ce qu'il dit. Le reste, c'est du ça veut rien dire. Comment tu trouves ma chemise? Mais qu'est-ce qu'il y a cette chemise? C'est une chemise de merde. En 68, on a mettait déjà cette chemise. Ouais, au Vietnam. Oui, ça arrive pas, c'est avec les juifs, là. Ça m'a sauvé la vie. Ah, oui. Ça m'a sauvé la vie à l'aéroport. Quoi? Hein? Attends, montre-moi ce que t'as dans ta sœur. Appuyez sur play.
Danny, montre-moi ce que tu play. Ah, pardon. C'est moi qui lui ai appris comment faire. Oh putain. Eh, c'est ça que je veux dire. Toi, tu as appris à dessiner à moi, tu as appris à dessiner à, comment s'appelle l'autre, à Bisri, tu as appris au gouvernement israélien comme il faut faire les choses pour ne pas tomber. Ça, tout à lui. Non, mais je lui donne des conseils. On va travailler ensemble. Ensuite, attends, on va travailler ensemble. Ensuite, tu sais, j'avais un copain qui était guitariste avec un groupe. Il savait... Lei è un nazzo cazzo, porco Dio. Porco Dio, ma se tu mi fai montrare. Tu fai montrare. Porco Madonna. Allora? Ah, allora? E c'è pas ça che tu m'avais envoyé? No. Ah, c'è pas l'autre. Non, c'est bien. J'ai fait enlever le crâne. C'est pas fini, j'aime pas les yeux. Non, moi, sincèrement, la chose. Tais-toi deux secondes. La chose que je... c'est ça, c'est ces traits-là. Oui, mais c'est le design du film, hein. C'est pour ça. Non, les traits comme ça. Trop net. Oui, je sais pas, c'était pas comme... Mais ça, c'est quoi? Tu es en train de le faire, là? Non, mais moi, je dis qu'il fasse différent, tu vois, qu'il fasse un petit truc, un petit truc violent dedans. Tu as la cervelle qui sort d'un côté ou quelque chose. Ah, c'est pas ça, on n'est pas en train de regarder ça. Tout le monde fait des copies. Je suis en train de regarder des dessins. Elles sont où, tes aquarelles? Tes aquarelles noires? Laisse-le dire. Attends, vas-y. L'interview entre... Mais qui interview? Mais arrête, Gilles, s'il te plaît, porco, tu n'es pas aussi envahissant et casse-couille, porca madonna. Deux secondes, tais-toi. Ça, c'est... Pourquoi c'était au fusain avant. Ah, tu l'as fait... Ouais, j'ai fait toute la base au fusain. Au fusain, comme ça? Ouais. Tout estompé, et après, j'ai mis du médium mat pour que fixer. Pour coloré dessus. Et par-dessus, j'ai mis une encre de couleur. Un encre de couleur transparent. Exactement. Ouais, c'est bien ça. Je vais l'utiliser moi aussi. Voilà. C'est quoi la chose mat que tu as non, mais dessus? Ce que j'aurais voulu... Acrylique, médium, mat, n'importe, PBO, tout ça. Ah, mais au pinceau, avec, pinceau. Avec... Pas le... Et le pinceau, comment il a fait pour le fusain? Mais d'abord, j'ai fixé d'abord. Ah, tu l'as fixé? Mais pas beaucoup, mais après j'ai mis là. Ah oui, ok. Tanino, c'est pour ça que je t'ai dit, si vous pouvez asseoir les deux un jour ensemble, pour vous apprendre un peu, juste un jour, fais-moi plaisir, qu'il apprenne deux, trois trucs, ok? Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Lui, il savait déjà la technique et moi aussi, mais qu'est-ce qu'on doit apprendre? Mais c'est comme toi, tu as appris de Scozzari comment faire la technique. Non, mais là, je le fais déjà moi. Moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était ce mat que je voyais qu'il le mettait directement sur le fusain, pour ne pas mettre le fissatif. Je le fais déjà moi aussi. Il faut tout le monde essayer, mais disons ça, c'est plus rapide, ça, toujours. Tu vois? Ça, je vais le faire en grand. Ça, c'est bien, les crayons. Mais l'autre, qu'est-ce que c'est? Iron Man. L'alien que tu as fait avec le casque, il est bien, mais sans le casque. Non, ça c'était pour m'entraîner, Talino. C'est juste pour m'entraîner, ça. Pour la technique, c'est tout petit. C'est quoi que tu m'avais envoyé? Je m'en rappelle plus. C'est quoi, l'alien avec la tête, avec le casque. C'est celui-là. Ben, la tête, elle est bien. Le reste, ça va, mais il n'est pas fini, là. Non, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. C'était pour m'entraîner sur la technique du fusain, avec l'encre par-dessus. C'est que des encres transparentes. C'est bien, ça. Là, c'est le dessin qui est un peu... Mais c'est pas fini, alors, ça va. Mais même le dessin, c'était pour un test. Donc, j'ai fait vite. Non, mais ils sont bien, ils sont bien. Iron Man est plus... Mais moi, j'ai rien contre toi. Je t'ai dit que, quand je l'ai vu, le dessin, je t'ai dit que tu es bien. Mais bon, alors là, le reste, après, je sais pas quoi te dire. T'es plus vexé, maintenant? J'ai jamais été vexé. Ah ouais, toujours vexé, toi, toujours. Il croit que tout le monde le déteste. Non, moi, avec lui, pourquoi je dois être... Moi, j'ai dû le prendre par les cheveux. Ça, c'est toi qui crée des problèmes qui n'existent pas. Hein. Non, je dis seulement que moi, je ne sais pas quoi dire. Moi, j'ai vu ce dessin et je le trouve bien. Après, s'il y a des autres histoires, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais vous entraînez un peu, vous donnez des trucs. Pour s'entraîner, on ne doit pas s'entraîner parce que techniquement, on est bien tous les deux. On doit trouver les sujets, les choses, mais bon... Bon, les sujets, c'est moi. Mais attends, tais-toi, toujours avec ces histoires comme ça. Moi, je cherche ça, à faire... Ça, le fusain avec juste l'encre. J'étais pas satisfait, ça faisait trop plat. Ben justement. C'est bien ou pas? J'arrête l'interview maintenant. Ça, c'est la fin, ça.